Eh bien, salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Doom Eternal. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre 18e épisode. La dernière fois, on était revenu en enfer, équipé comme jamais, pour... je sais plus, pour tuer du démon, je dirais. Et on avait récupéré, on avait réussi à réactiver le couteau à beurre. Voilà, voilà. Par contre, j'avais récupéré aussi l'Unmaker, mais il m'a pas rechargé les munitions, ça c'est chiant par contre. Bref, passons. Let's go, on va flinguer du démon. Il fait chaud, très chaud. Je dis pas ça parce que je suis en enfer, mais plutôt parce que à Montpel, là en ce moment, il fait chaud sa mère. 34 degrés il a fait aujourd'hui. Quoi, c'est... D'accord. Ça me va. Tac. Ok, donc là c'est la suite. D'accord. Ah! Faudrait que j'aille plus vite. Ah ok, c'est rapidité. Je ne pensais pas, excusez-moi. Ok. Je prenais mon temps, mais en fait non, faut que j'aille vraiment beaucoup plus vite. Voilà. Bien. Bon, faut que je passe par là, vraisemblablement. Le cœur a besoin de la terre et de ses âmes. Son monde se meurt. Problème de texture, non ? Permet à son peuple de se régénérer et de survivre. En sauvant votre monde, vous menacez le sien. Je crois que c'est le principe d'une guerre, en fait, Sam. Plus loin se trouve Calibas, le juge aveugle. Il prononce qui est apte ou non à subir le protocole d'extraction. Tous les autres sont rejetés dans le marais de sang. On va négocier, écoutez. Je suis bloqué dans le plafond, par contre. Volta, je peux pas tout voir comme il faut, je suis blasé. Détruire les yeux de Calibas, 0 sur 4. D'accord. Comment je peux faire? D'accord, juste comme ça en fait. Faut juste que je tire dessus. D'accord. C'est juste ça. Non, c'est lui que je tue. Aïe. Alors, t'es gentil, mais tu me fais pas chier, toi, s'il te plaît, merci. Ah. Sérieusement, j'ai plus de munitions pour ça. Frappez tant qu'il est vulnérable.
Ça va. Ça aurait pu être pire. Je m'attendais à pire comme truc, mais bon. Ouais. Y'a pas d'autre truc que je pourrais récupérer ici? Que dalle. Ah si, y a un petit peu de vie là-bas que je peux récupérer. Hop. Là-bas. Ouais, y'a des munitions de plasma, mais ça m'intéresse moyen. Bah écoutez, on avance. Bon, j'ai l'impression que il a aimé mon plaidoyer, hein, le juge. C'est quoi ça, hein? D'accord. Ça, je prends. Toujours plaisir, hein. Rien d'autre ici, faut que je passe par là-bas. C'est marrant comme truc. C'est très marrant comme truc. J'aime beaucoup ce truc là. Voilà. Point de maîtrise. Nice. Là, y a rien de plus ici. Là, on a un point prêteur. Je crois qu'on arrive sur la fin du jeu là, non? On arrive pas loin de la fin, j'ai l'impression. Oh, il y a la map qui est là. Ça aurait qu'à moitié qu'on arrive sur la fin du jeu. Hein. Pourquoi là c'est vert ici? C'est pour dire qu'il faut avancer? C'est un bordel. Vous voulez que je passe par où? En tout cas, j'aime beaucoup la représentation des enfers. Hein. Ok. J'ai. Ce grappin est génial. Voilà. Coucou. Ok. C'est pas ça que je voulais faire. C'est vrai que ça marche carrément bien ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires d'ailleurs qu'on utilise la méga frappe quand c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Utilise la méga frappe quand il y a des gros bourrins avec leur armure, ça marche très bien comme truc. Attendez. Hop. Pas mal. De quoi se régénérer un petit peu.
Alors, il y a des trucs à récupérer. Oui, il y a de la munition à récupérer là. Ouf, et attendez. Il y a un défi. Je vais le faire un défi. Attendez. Il y a moyen de passer par là. Ah oui. De la munition. Ah, j'aurais pu utiliser ça pour... Bon, pas grave. Et là, il y a une one-up. Chose qui m'intéresse quand même pas mal. Alors, question qui tue, c'est comment est-ce que j'accède à ça là-bas? Est-ce que ça, j'y accède en allant en face? Je suis en mode réflexion pure et dure. Déjà, j'ai pas regardé ici. Non, il y a que dalle. Ah non, je t'ai déjà passé par là. Ok. Bon, en tout cas, cette vision des enfers est quand même beaucoup mieux que la vision des enfers dans Agonie, hein, mais bon. Passons. Bah voilà, c'est par là. Secret trouvé ici. Bien. Et là, il y a ceci. Gladiateur. Bien, et donc la sortie est par là. Voilà, on s'y retrouve. Par contre, j'ai plus de munitions de lame de creuset. Ça va, il était pas trop compliqué celui-là. Connu pire. Ok, donc nous disions, faut que je passe par là moi maintenant. Ok. D'accord. Et là, faut que j'aille ici. Ouais, on est d'accord, il y a un truc pour s'accrocher. Bien. Ah, shit. Alors, calme-toi, toi, s'il te plaît. Merci. Ok. Viens là, toi. Pas mal là. Ça a foutu full vie, full mune, full bouclier. Je m'en suis pas trop mal tiré là pour le coup. Hein. Un petit one-up en plus, je dis pas non. Vous voyez là, là cet épisode-ci, je l'enregistre. On est lundi soir et j'ai enregistré l'épisode précédent samedi. Comme quoi, j'ai été juste rouillé hein, pour l'épisode de lundi. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Fallait juste que je me remette dans le bain. Ah, j'ai rien oublié, plus qu'à aller ici donc. Les humains doivent être torturés et leur chair attendrie. Lorsque la douleur infligée est suffisante et que l'esprit est brisé, l'âme est enfin prête pour le protocole d'extraction. C'est charmant. Hein. Donc je présume que là, faut que je monte. Ouais, et puis là, ici, il y a un truc à récupérer en plus. On est pas mal. Il y a un autre défi ici, tiens. Ah, mais c'est charmant, les enfers, hein. Ouais, ici, mais je peux pas encore y accéder. Faut que je fasse le tour. Pour le coup, par contre, il y a quelque chose juste là, à droite. En effet, il y a un truc ici. Doom Hunter, un point de maîtrise d'armes en plus. Vu le nombre de points de maîtrise d'armes que j'ai qui sont dispo, est-ce que j'aurais pas les trucs Club des 5, j'en suis... Ça, ça peut être bien, ça. Voilà. Parce que mine de rien, ça, c'est assez pratique. Tac, tir automatique, j'utilise jamais le tir automatique. Celui-là, j'ai déjà utilisé... Enfin, j'ai déjà...
améliorer. Ici, ça. Ouais, je dis pas du tout. Rafale verrouillage. Double verrouillage. Vu comment j'utilise celui-là, ça peut être bien. Carrément bien. Et elle, normalement, lame de destruction, j'ai déjà... Ah, j'avais pas amélioré. Lame progressive. Tire avec les lames de destruction avant qu'elles n'aient atteint leur amplitude maximale. On est plutôt pas mal. Il nous reste un point à utiliser. Je dis jamais la batteuse. Hein. Mais au moins on est tranquille, on est paré là. Bien. Oh putain. Il est où le totem booster? Ok, il est là-bas. Viens, on va négocier. Tu vas voir, ça va bien se passer. Plutôt pas mal. Fallait juste trouver le totem booster. Alors, il y a plein de trucs à récupérer là. Alors évidemment, faut que je passe par là, bien entendu. Et de l'autre côté, pareil. Moi, il y a ça qui m'intéresse beaucoup là. Déjà, on va récupérer ceci. Pas mal. Ça, je peux pas l'activer pour l'instant. Il y a un passage ici ou comment ça se passe? Non, je vais me faire écraser, là, ça continue. On va passer par là. Merde. Je crois savoir. Ah bah oui, je suis bête, j'avais pas vu. Voilà. Très bien. Ça a pas ouvert la bonne porte. Ah, par contre, ça a activé ce truc-là. Ah, ok. Ça passe crème. Ah putain! Ah! Laisse-moi le temps de me préparer! Viens là. Ah. Munition. Voilà. Relou as fuck ces monstres. Voilà. Bien. Bon. Il y a un truc en dessous. Comment j'accède en dessous? Par là, évidemment. Bien ça.
très très bien ça. Ok, donc ça en dessous c'est bouclé, faut que je récupère ce truc là. Allons-y hein. Nickel. On active le deuxième. Ça c'est top, mais ici, comment est-ce qu'on y accède à ce truc là? Ah mais vous êtes sérieux les mecs? Comment j'ouvre ça là? Comment j'ouvre ici? Ne me dites pas que ça a ouvert derrière moi. Et si ça a ouvert derrière moi? Delta, j'ai accès à ici. Très bien. Et le défi. Ça valait le coup. Ou pas, parce qu'au final, j'avais pas besoin de points supplémentaires pour les armes. Ah, ça me fait chier. Bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus de méga défi de la mort qui tue de la part des démons, donc... qu'est-ce qu'on a dans le coin? On a une grosse confrontation avec notamment une recharge de lame ici, ce qui est pas mal du tout. On a un one-up aussi à récupérer. C'est la dernière corruption démoniaque de la zone, hein, au passage. Ok, donc les mecs m'attendent déjà. Hein. Non, on est sur quelque chose de bien là. Bloqué. Alors je sais que je suis chiant à utiliser le shotgun non-stop, mais le shotgun c'est tellement pratique pour notamment ceci. C'est un peu l'overkill ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. J'aime pas cette alerte missile. Ok, un en moins déjà qui aura plus son bouclier, c'est déjà ça. Ouais, on va rester là-dessus.
C'est vrai que c'est très pratique la méga charge quand même, hein. Ah mais toi, depuis tout à l'heure, tu me gonfles. Attention, parce que... Ah putain, mise à jour Steam. Enfin, maintenant serveur Steam, c'est pas grave, on s'en fout. Pile au bon moment, quoi. Pourtant, normalement, c'est le mardi. Ils ont changé, c'est plus le mardi. Il me semble que c'est le mardi, normalement. C'est pas grave. Ok, bon. À nous deux, mon coco. Pardon, mais à quel moment? Moi aussi, je sais verrouiller. Ils sont trop lents ces projectiles, c'est chiant. Il me faut plus de... plus d'armure. Ou alors, écoutez, vous savez quoi, le BFG, ça peut faire le taf, non? Ouais, le BFG, ça fait le taf, en fait. Une fois que l'esprit a été brisé et que la douleur infligée est suffisante, seulement au moment où l'humain a perdu tout espoir, il est enfin transféré dans la chambre d'extraction d'âme. Ouais, alors la chambre d'extraction d'âme, elle attendra 30 secondes. Parce que là, il me reste... Oh, je viens de tiquer, on dirait du HR Giger, un petit peu, le style. Excusez-moi. Voilà, moi il y a ça là-bas qui m'intéresse. Ça c'est quoi ça? Pourquoi c'est vert? Puis là-bas il y a un truc là. Ici il y a un truc là. Ok. Non mais ça va être charmant ça. Ouais, je crame, je sais. Je pourrais venir par là, très bien. Point d'armure prêteur. Je suis à combien en point d'armure prêteur? Je suis à 5. Est-ce que je peux... Ouais, mais ça, c'est non létal. En fait, il n'y a plus rien d'intéressant pour moi, là. Il n'y a plus rien d'intéressant pour moi, ça. C'est nul. Visiblement, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Bon, bah écoutez, hein. Alors, j'ai une question à la con, mais... Ça sert à quoi? Ça sert à accéder à ça plus facilement, j'ai l'impression. C'est inutile, mais soit. Eh ben... On a validé le niveau, j'ai l'impression. Ouais, on nous a manqué quelques trucs. C'est pas dramatique, ça va. C'est pas la mort non plus. Necravel partie 2. Votre ascension vous conduit au dernier étage de la citadelle, là où les âmes sont extirpées de leur corps pour être convertis en énergie argent. Pénétrez au sommet de l'usine de traitement des Makers et utilisez le conduit argent pour atteindre Urdak, monde natal des Makers. C'est là que la Kenmaker prépare le dernier rituel pour contrôler l'icône du péché.
et pour la, déchaîner sur Terre. Excusez-moi, j'écoute un peu la musique. La musique est pas mal. Mais parce que c'est vrai qu'il y a un gros prédateur qui est en train d'arriver sur Terre, visiblement. C'est bien ce truc-là. Gravir la flèche des âmes. Il y aura pas beaucoup de combats, j'ai l'impression. Il y aura du gros combat, mais pas beaucoup de combats. La chambre d'extraction d'âmes se trouve dans cette citadelle. Nous devons nous frayer un chemin jusqu'au sommet, là où la pure énergie Argent est envoyée directement sur le pack. Seul t'aimer les gros, hein, on est d'accord. Visiblement, faut que j'aille par là. Il semblerait. Mais par là, y'a quoi, hein ? Y'a un truc là, mais je peux pas encore y accéder à ça. Non! Il m'a fait tomber, le fils de pute! Ok. Voilà des munitions. Je vérifie juste si j'ai rien oublié. Hein. Voilà. Alors, ouais, faut que j'aille là-bas. Ah non, c'est bien plein de petits combats, d'accord. Autant pour moi, mais un peu pas. Hein. C'est vrai qu'ils se font la guéguerre. Non, ça va. Ça passe. Il y a un secret à récupérer ici. Bah écoutez, on va récupérer le secret. Hein. C'est parfait. C'est le dernier qui me manquait. Je suis maxé. Je suis full maxé là, c'est cool. Je sens que ça va être un sacré merdier, ça. Ça va être un sacré merdier, mais ce sera l'épisode 19. Et vous allez dire, ouais, les arcos, c'est trop court. Je suis en train de décéder de chaleur. Parce que là, pour l'enregistrement, j'ai coupé le ventilo. Sinon, c'est la merde. Bon, voilà.
On va s'arrêter là pour cet épisode numéro 18. J'espère que ça en tout cas qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.